Bonjour l'élite, je vous retrouve en ce début de semaine de décembre 2021. Ma foi, pour vous annoncer une très bonne nouvelle, puisque la première rencontre dans la vraie vie, donc ce qu'on appelle communément une IRL, qu'on peut appeler aussi une rencontre abonnée, voilà, de la chaîne a eu lieu. C'était super, ça s'est passé ce samedi 4 décembre 2021, sous le pont de Grenelle, un espace, voilà, de musculation en plein air assez connu. Ben voilà, là, petit plan d'ensemble. Alors je vais vous faire une petite vidéo en trois parties. La première, je vais un peu vous montrer en fait le sujet que j'ai fait sur le forum pour faire le bilan un peu de cette expérience, pour vous lire ça. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer un peu le tableau des participants. Non, d'abord je vous montrerai ensuite la vidéo et puis à la fin les tableaux des participants. Merci aux 15 valeureux participants. Voilà, c'était super. Je commence avec le Topax. C'est parti, bilan de l'IRL sportive. Salut les clés. Peut-être que vous avez vu passer donc le sujet sur l'organisation. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un fiasco total? Est-ce que personne n'est venu? Le temps était pourri? L'ambiance était malaisante au possible, hein? Les réponses ici. Effectivement, donc je sais pas si vous êtes du forum ou autre, mais en général quand il y a des IRL du forum, c'est-à-dire des rencontres dans la vraie vie de personnes du forum, il y en a qui disent voilà le niveau de malaise est assez élevé, etc. Des gens qui savent pas forcément parler entre eux ou les sujets conviennent pas. Enfin bref. Donc c'est un sujet commun que les IRL sont un peu malaisantes, mais je vous tiens au courant. Alors, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. La séance s'est super bien passée, nous étions 15, donc effectivement il y avait une petite peur que nous soyons, mais pas beaucoup, genre 2 ou 3, voire que ça bide complètement, mais 15 c'était vraiment limite au-dessus de mes espérances, moi je m'attendais à 12, donc c'était super. Le Benjamin avait 17 ans et l'aîné, l'ancien, en avait 31. La plupart venaient de la communication de la chaîne YouTube, mais il y en a quelques-uns qui ne connaissaient pas la chaîne et sont venus grâce au sujet que j'ai fait sur le forum. Vous savez, j'ai dit, ben voilà, une rencontre sportive. Il y en a qui étaient dubitatifs ou autre, mais je crois qu'il y en a deux qui sont venus finalement grâce au sujet alors qu'ils ne me connaissaient pas. Nous avons formé deux groupes, donc vous allez voir sur les vidéos. En fait, sur les vidéos, il y a 95% du temps, on voit que mon groupe. Les débutants que j'encadrais, donc on a parcouru quelques bases, la posture, la garde, les jabs, les directs, etc. Alors que les initiés, donc menés par le forumer 31-1, excusez-moi, ils ont plutôt fait des assauts et ça, j'ai pas vu en fait ce qu'ils faisaient. Globalement, les échanges étaient de bonne facture et tous les débutants ont progressé. Et tout le monde, hein, tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils avaient appris, qu'ils s'étaient bien dépensés et voilà. Et par-dessus tout, c'était vraiment une bonne ambiance et c'était sympa. Petit bémol, certains coups ont été trop secs. Il faudra dans le futur mettre en place une organisation avec plus de surveillants pour que les échanges restent courtois. Ah, effectivement, deux choses. Déjà, quand on commence à partir en assaut ou autre, s'il n'y a pas entre les débutants surtout, hein, quand on sait pas doser sa force ou voilà, en fait, il y a quelque chose qui se passe en boxe. Réaction virile ou bah, tout à fait classique. Vous allez voir que vous démarrez, vous êtes normal. Et puis à un moment, il y a un coup qui va passer un peu fort. Ou le mec, voilà, dans le ventre, dans les yeux, dans le nez ou autre, il va vous énerver, vous allez en remettre un plus fort. Et voilà, bon, c'est l'escalade, hein. Vous savez très bien comment ça marche, même si vous avez jamais fait de boxe. Mais je vous garantis que dans tous les matchs contre des mecs qui sont un peu teigneux et on est un peu tous comme ça. Hein. Et dès que ça commence à faire ça, ça fait un engrenage et ça peut partir un peu loin. Qu'on soit, même un mec qui a de l'expérience et qui est plus fort physiquement peut s'énerver comme ça et ça peut finir en truc un peu fort. Donc c'est pour ça que moi je suis pas un, c'est vraiment un métier hein, d'être encadrant, enfin coach. Coach de boxe, donc déjà moi je le suis pas. De deux, ça fait 2 ans que j'ai pas progressé et donc j'ai ce travers aussi, vu que moi j'ai fait des combats, du coup, dès que le mec arrivait à me mettre des petits coups trop fort, je m'excitais, et puis d'ailleurs vous allez voir dans la vidéo que ça part un peu, bon c'est pas non plus des trucs, ça part pas enchâssé dans la tête ou autre, mais en revoyant la vidéo, je me dis merde, je mettais vraiment des coups trop fort, donc voilà, il y a ça, parce que oui, je suis pas du tout un pro, et ça fait 2 ans que j'ai pas boxé, donc j'ai perdu le contrôle, et personne n'était là pour me dire, chut, redescends, et moi, enfin, quand il y a un mec qui, normalement quand il y a un gars en fait, ce qui me fera trop fort, je dis redescends. Mais là, je sais pas, j'étais dans le truc. Et troisième, je sais plus quel était troisième tour. Donc en gros, il faut. Oui, et en fait, comme c'est un peu moi qui ai encadré le truc. Mais moi j'ai beaucoup envie de boxer en fait, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait et je suis pas un prof, tu vois, je suis un boxeur aussi, donc j'ai envie de participer au truc. Sauf que comme c'est moi qui encadrais les débutants, quand je participais au truc, il y avait plus d'encadrement, il y avait plus d'œil sur le truc, donc ça pouvait partir en C plus facilement. Donc en fait, si je dois faire et je dis que j'organise le truc, ça doit être moi qui dois faire le prof, mais ça me saoule. Moi j'ai absolument envie de faire les exercices, de bouger, de faire la distance, de mettre des coups, etc. Donc faudra voir en fait, si faudra faire des règles de répartition avec des mecs qui tournent pour qu'ils soient arbitres encadrants. Donc faudra voir, mais on va progresser. Voilà, c'est le début et on continue. Alors,
Voilà. Donc j'ai dit, moi-même j'ai dépassé le cadre de la courtoisie contre un jeune QLF. Effectivement, on a les images. Bon, rien de très grave, mais voilà. Deux forumers sont venus pour assister, mais n'ont pas boxé. Ils ont émis l'idée d'organiser des rencontres lectures, ce qui sera fait à partir de janvier. Effectivement, vous êtes pas mal à me dire, oh, putain, la boxe haute, tu veux pas faire un autre sport? Alors pourquoi pas? Ou même pas de sport du tout. Mais voilà, rencontre, par exemple lecture, donc ce qui peut être fait, on l'entend dans la vidéo à un moment quand il en parle, donc on verra. Et oui. Et je vous dis, donc là je vous en parle rapidement, mais je ferai une vidéo dédiée. En gros, l'idée c'est de sélectionner un livre qui est accessible gratuitement et en livre audio pour ceux qui peuvent l'écouter à l'audio. On se donne un mois pour l'absorber, le digérer, et au bout d'un mois, on se rencontre dans une salle. En plus, je connais quelqu'un qui peut me prêter une salle, peut-être à Suresnes, donc c'est pas loin de Paris, hein, on peut y accéder par le métro. Hein. Bref, et on se rencontre dans cette salle pour discuter un peu du livre, ce qu'on a pensé, etc. Et puis peut-être on fait une vidéo aussi, ou je fais une vidéo sur le livre après. Voilà, donc ça c'est l'idée, mais pour l'instant, on est plutôt sur de la boxe. Et c'est ça dont je vous parle. Mais bref, l'idée m'intéresse beaucoup et on pourra faire ça. Sinon, le temps était super, il faisait pas très froid. Ouais, il devait faire 6 ou 7. Franchement, ça va, c'était tranquille. Après, il fallait un peu bouger, mais une fois qu'on bougeait, c'était super. Quant à l'ambiance, c'était top. J'ai ressenti aucun moment gênant. On s'est bien marré. Pas mal de discussions sur tout et rien. Surtout après, en fait, parce qu'après, le truc, je vais vous le dire, on est allé manger. Enfin, 8 personnes sur 15, on est allé manger. Mais même pendant les pauses où on discutait, puis même au départ, quand on arrivait, on se présentait un peu. C'était très cordial. Et vraiment, ce que j'attendais de cette rencontre abonnée, voilà. Après, moi, il y avait un truc que j'attendais au niveau de la vidéo. Par contre, c'est vraiment que je sois pas au centre de la truc, vu que c'est tout le temps moi qui parle sur cette chaîne. J'aurais aimé que la vidéo ce soit beaucoup plus les mecs qui sont filmés ou autres. Alors, ça, il y a les mecs qui ont été filmés veulent être floutés, donc du coup, j'ai la flemme de flouter tout ou autre, donc j'ai amputé toutes les images, donc finalement, il reste pas grand chose derrière ça. Et le filmeur, je crois que je lui ai pas dit en fait d'aller voir plutôt autre chose que moi, et donc il a plutôt tourné sur quand je faisais des explications ou autre, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave, on fera mieux pour les prochaines vidéos. Enfin, après la séance, 8 entre nous sommes allés engraisser l'immigration remplaciste en investissant un kebab. Effectivement, nous y étions 8. On a passé du temps à mettre toute la combinaison du kebab pour qu'on soit tous autour de la table, et on a mangé 5,50 € par personne. Donc je pense que le compromis est plutôt pas mal. La nourriture était bonne, de qualité, assez rapide. 5,50 € par personne, c'est un investissement correct, je trouve. Et voilà, peut-être une fois par semaine, si on fait notre séance là-bas, ça peut devenir notre QG. Je propose ça, mais on voit. Ça a aussi été l'occasion de faire plus ample connaissance. Bref, une rencontre à l'image de ce que le forum peut fournir de plus sympa, un peu brouillon, mais des gens de toutes les classes sociales qui se rencontrent et échangent amicalement. Effectivement, et je dis à refaire, et je voilà. Alors, sûrement pas la semaine prochaine, parce que je serai en déplacement à Marseille la semaine prochaine. Voilà, je passe le week-end et jusque la fin de semaine, pardon, et jusqu'au mardi là-bas. Mais donc, peut-être je peux en rencontrer un ou deux, mais la flemme parce que je suis avec ma femme, donc on restera sans doute entre nous. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bref, si vous avez des questions, en tout cas, dans 2 semaines, je pense, on essaiera de se refaire une session ou en semaine, vous savez, le jeudi ou le mercredi. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une vidéo de session va sortir. Mais voilà, mais maintenant je vous montre la vidéo, donc c'était très sympa tout ça. C'est parti pour la vidéo. Hop, je vous commente hein, pour pas que ce soit trop embêtant. Voilà, bon, on est parti sur 5 minutes d'entraînement, d'étirement au départ. Bon, non, 10 minutes, je crois, ou 15, un quart d'heure. Donc ça, c'est très classique, hein. Et normalement, sur un cours de 2 heures, moi, vous allez voir mes profs de boxe haute, ils faisaient toujours 30-40 minutes de cardio. Là, on n'en a fait que 15. Et déjà, pour des mecs qui n'avaient jamais pratiqué, ils disaient, putain, c'est chiant et tout. Mais non, non, les gars, c'est normal, hein, 15 minutes au départ, c'est du classique. Et encore, c'est même 2 fois moins ce que normal. Ah, c'est la part pour les 3 tours. T'as une bien? Tiens, vas-y. Ok, bah, je m'en Voilà, on se parle un peu, on discute. Salut, chef. Ah, quelqu'un qui arrive. Alors, vas-y. Arrête. Projet dans la vie et niveau de boxe. Voilà, je dis âge, projet dans la vie, niveau de boss, comme ça on sait s'il sera débutant ou pas. Et puis l'âge, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est le principe, c'est que comme quand on débarque sur le Discord, on se présente comme ça. Voilà, ça c'est. Après les étirements, on fait les échauffements. Hein. Non, attends. Après les échauffements, on fait les étirements plutôt. Donc là, c'est le début de la séance, hein, les premières 30 minutes. 1, 2.
Alors cet exercice, j'avais pas vu qu'il l'avait mal fait, mais en fait on est censé accompagner le regard, le bras, hein, parce que l'idée c'est de s'étirer à la fois l'épaule, enfin, le dos et la nuque aussi, même si on l'a déjà étiré avant, comme ça on la réétire, c'est important. Et là par exemple je vois que lui il erre, ne suit pas son coude avec sa nuque, il fait pas comme ça, il fait comme ça. Et non, j'avais expliqué qu'il fallait faire ça, mais c'est pas grave, on apprend. 4, 5, 6, 7, Vous voyez là, 8, la tête suit, 9, alors que la 10, plupart des gens, la 11, tête suit 12, pas. 13, 9, allez, pas 30, vous levez la nuque pour la muscler et vous faites ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et... 9. Alors là, on est passé avec les, comment ils s'appellent, les débutants, et en gros, je leur montre un peu comment faire la garde, je crois. Vous allez de droite en avant. Voilà, donc l'idée c'est de garder à peu près Comment se l'écartement des positionner épaules de pour vos boxer? pieds. Donc si vous êtes comme ça c'est mauvais, si vous êtes trop rapproché vous n'allez pas avoir d'équilibre. Donc un peu les épaules, un peu plus, voilà, vous êtes bon. Vous savez tous comment tenir une garde, vous n'avez jamais en général, une garde, cette position avec le bon écartement et la bonne position de garde pour ne pas prendre de mauvaises habitudes. On voit parce vraiment les qu'on voit, basiques. ce qui est très important, à part si vous avez un style comme ça. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais en règle générale, vous allez toujours garder la chose comme ça. Ok, maintenant, on va voir le club. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs mots. Hein. Vous connaissez le crochet, l'uppercut, le direct et le truc. Donc, pour vous le faire rapidement, le direct, on va essayer de charger avec une petite rotation et d'essayer d'enfoncer comme ça. Donc, on verra après. Le crochet, donc là on n'est pas en train de l'apprendre, je vous le montre. Ok, mais ok. Après je suis trop mal à l'aise, le poids, enfin quand je suis droit, je suis trop mal à l'aise et c'est beaucoup plus facile comme ça. Ouais, ouais, bah, tu peux le faire. Tu peux faire, voilà. Vraiment ce crochet-là, donc le côté oui, pas. Parce que le côté avant est moins fort mais plus rapide. On remarque les gros talents de cadrage de notre filmeur, hein, merci. Donc tu peux tous envoyer et de toute façon je m'habitue. Voilà, tu t'habitueras. C'est pas trop facile. Non, on a vu le direct, voilà. Après il y a le crochet, vous savez, hein, Mike Tyson ou autre. On est censé en fait garder un mouvement solitaire entre le bras et le corps et en fait on va pas faire un coup comme ça, on va vraiment amener la force en avant. Le tout doit être solitaire, comme ça tu transmets le plus de force possible. Et on est censé dire, si tu mets un crochet au corps, tu es censé te baisser et passer comme ça. Moi, si tu mets un truc au visage, tu es censé faire ça. Ok, donc ça c'est ça le crochet mais on va pas le voir maintenant. Après il y a l'uppercut qui est plus technique. En gros, on va essayer de partir en bas et remonter. Et pareil, là, ça va être avec l'élan du corps, ne pas envoyer le bras trop loin, mais plutôt essayer de le garder. C'est vraiment un coup extrêmement proche où voilà, tu es à côté, tu vois que le mec se baisse autre, bam, t'envoies ça et c'est assez rapide. Donc là, c'est juste des trucs qu'on a vus en 5 secondes, hein, parce que les uppercuts, les crochets, il faut vraiment s'entraîner, il faut réexpliquer, etc. Là, c'est juste pour dire, voilà, les différents coups, il y en a 4 et on les voit là, mais là, aujourd'hui, on va en voir que 2. Voilà. Et là, on va voir du coup le premier coup qui s'appelle le jab, où on va pas mettre en jeu le corps, en fait. On est juste là, on essaye d'évaluer la distance pour voir si le mec est assez près, et on va essayer de le chercher, de le titiller, etc. Donc, toi, on marque bien la. Excuse-moi, la. Je suis très tactile. La garde. Donc là, je trouve que t'es un peu écarté et pas assez vision. Alors, on évite d'être tout à fait comme ça. Ça s'appelle escrimeur. C'est bien pour les escrimeurs parce qu'ils sont que sur un plan et ils peuvent partir en avant. Mais pour la boxe, c'est pas fou. Et par contre, vous avez tous vu la vidéo de Johnny Cadillac? C'est drôle. Toujours de 3/4 face, vous savez, c'est la bonne solution. Donc là, c'est pas vous mal. Connaissez ou pas Johnny Cadillac? Mais si vous connaissez pas, vous allez regarder. L'ouraken, c'est le coup de poing le plus rapide du monde. J'ai chopé là, entre les deux yeux. Mais alors, moi, la position de combat, c'est toujours de 3/4 face. Et ça va parler aux gens. C'est pas trop écarté. Et en gros, tu vas essayer de chercher pour voir si t'es à bonne distance et de loin. Donc, vas-y. Tac, tac, c'est pas là. Alors, on va avoir le principe. Effectivement, on dit que pour pénétrer la garde, pour que le poing s'enfonce, on doit faire, salut chef, bienvenue, on doit faire un mouvement de tournevis avec le poing. Donc là, vous avez vu, quand il a frappé, il était un peu en position comme ça. L'idée, c'est que tu visses et que ça arrive comme ça. Classique. Voilà. Tac, voilà. Ah oui, par contre, parfois je dis des conneries, je fais mal les mouvements, ça fait 2 ans que j'ai pas boxé, et j'ai essayé de revoir 2-3 vidéos avant de venir, mais j'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Donc effectivement, les conseils sont pas forcément les meilleurs, mais les bases sont posées, ça reste pas mal quoi, ça reste mieux que rien. Alors, comme pour, à une époque, quand on faisait de la muscu, on suivait Enzo Fukra, ça vous parle, et il dit...
comment dire, dites-le en commentaire si ça vous parle, Enzo Fukra et le léger flex au niveau du coude. Et gardez toujours un léger flex au niveau du coude. Donc pour faire des tractions des pompes, si vous êtes comme ça, vous allez faire 15. C'est la même chose en 16. Ouais. Voilà, faut garder un léger flex, faut pas être tout à fait tendu, ce qui est très dur à faire en général, mais voilà, faut pas dire tac, je vais faire un truc et déboîter, parce qu'au bout de quelques coups, tu en as. Donc en sachant ça et comme là, c'est la partie où je discute. En fait, c'est là qu'elle part, elle durait pas mal de temps, 12-15 minutes. Mais après, c'était la plupart du temps les exercices. Effectivement, on a fait peut-être 25 minutes d'étirement, d'échauffement, 15 minutes d'explication de montre-truc. Et après, il y avait quand même une bonne heure de pratique d'exercice entre nous où on tournait, etc. Et à la fin, 20 minutes d'assaut, quoi. Donc là, c'est vrai que ce qui a été filmé, c'est les moments où je parle. Et parce qu'en plus, le filmeur est parti assez tôt, pas au moment où il y avait le plus d'échanges, etc. Mais du coup... Là, c'était... En combat, c'est différent, mais vraiment, en entraînement, il faut essayer de se préparer. Donc, voilà, parfait, et on va essayer de récupérer le mouvement. Donc, on est tous là, voilà, on se met tous en position. Est-ce qu'on a tous ces bonnes gardes? Pas mal. Mais ils ont fait les échauffements, au début. Voilà, ça. Et là, ils travaillent la garde, accessoirement, et le plus... Reste spécial sport. Parce que là... Oui. Alors que là on se marie bien. Du coup, tu étais venu pour pratiquer aussi ou tu avais. Non, j'ai vu en fait, je me suis venu en Paris avec mon pote. On a vu en fait que. Ah, en fait, c'est un youtubeur. Oui. Un vidéaste, monsieur. C'est lui que je connais, c'est l'œil de l'élite. Oui. Voilà. Et du coup, il a organisé une rencontre abonnée aujourd'hui. Enfin, ce soir là, pour faire une petite initiation à la boxe, surtout pour rencontrer des gens, quoi. C'est top. Et du coup, ben là, c'est la plupart des gens, ils ont jamais fait de boxe, mais dans l'idée, j'aurais préféré une rencontre lecture, mais bon. On se prépare au cas du gars. C'est entendu, c'est entendu. On se fait un bouquin, puis après, sérieux. Pas mal. Alors, là, t'as fait un direct, parce que t'as fait un petit mouvement du corps, tu vois. Donc le jab vraiment est censé en fait rien bouger et envoyer plus comme ça pour être simple. Le jab, on n'est pas censé bouger le reste du corps. Alors si tu es un peu courbé, vise au niveau de tes yeux tournés. Voilà, pas mal. À toi. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Pas mal. J'ai l'impression que tu rames quelque chose qui est un petit peu. Donc il faut juste que ça passe voilà, sans affaire. Très bien, tu es parfait. À toi. Non. Cher, on a dit que c'était grave avant. Attends, toi t'es parti ? Voilà. Et en fait, il peut y avoir des gens. Moi, vous savez que j'ai pas. Enfin, vous savez pas. Je réussissais pas à faire mes lacets avant la quatrième. Et j'avais un. Mes parents me sont allés voir. Hein, j'ai fait des séances chez des mecs, payaient 60 balles la séance et tout. Je me suis entraîné très longtemps. Je n'arrivais pas à me faire les lacets. Et j'ai un problème de coordination. Et c'est une maladie, une tare qui s'appelle la dyspraxie. Vous voyez, qui est assez chiante, notamment pour percer le permis. Voilà. Moi, je sais toujours pas ma droite, ma gauche. Que je sois stressé ou non, je sais pas. Et il y a plein de trucs où je suis assez mauvais pour m'orienter, gérer mon corps, etc. Jusqu'à mes, je sais pas quel âge, j'arrivais pas à... Bon, je vais pas vous donner un exemple, mais je vais vous donner un exemple. J'arrivais pas à me verser de l'eau sans en foutre à côté. Et vraiment, hein, et c'était un effort pour moi à chaque fois. J'arrivais pas à évaluer le poids de la bouteille, le fait que si j'avançais le bras, ça allait être trop loin. Quasiment 9 fois sur 10, je foutais de l'eau à côté quand je m'en servais. Donc voilà, c'est un petit exemple. Et moi, je sais pas pourquoi cette dyspraxie, elle s'est évaporée avec le temps. Maintenant, j'ai presque plus de séquelles à ce niveau-là. Ça m'handicapait pas la vie, mais voilà. Et voilà. Et notre camarade là, a quand même il a ce truc-là, mais plus fort. Donc effectivement, c'est difficile de comprendre où tu dois passer. On passe pour des débiles, hein, pour des gens normaux qui savent faire directement et tout. C'est vrai. Mais c'est comme ça. On n'arrive pas à gérer le corps. On n'arrive pas à se concentrer sur trois trucs en même temps, à se souvenir d'enchaînements ou autres. C'est comme ça. Notre cerveau est pas fait pour faire ce genre de truc. Donc effectivement, là on dit bah vas-y mettez votre truc gauche en avant. Et ben déjà non, le truc est pas fait. Mais voilà, on connaît. Ah, le bras est un peu bas, mais là c'est bien. Ok, on continue, on va pas lâcher le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Attends, juste un petit truc sur la dyspraxie, parce qu'on a discuté rapidement. On ne sait pas écrire. En fait, on sait écrire. Moi, j'ai fait des cours de graphologie jusqu'à, je sais pas, 21 ans. J'allais voir une meuf, voilà, une fois par semaine, et j'apprenais à faire des boucles de A. Enfin, ça, j'ai surtout refait ça un moment, parce qu'à un moment, mon écriture partait vraiment en couille. Donc, je suis allé voir quelqu'un entre mes 16 et 18, pas 21 ans. Entre 16 et 18 ans, on va dire, je suis allé voir. Et une fois par semaine, j'apprenais à faire des boucles, des A comme en CP, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Mais ça demande un effort de fou pour se rappeler comment faire les lettres, etc. Mais ça, c'est spécial, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10. C'est parfait, vous avez l'épaule un peu en PLS. Pas du tout, même moi. Ouais, c'est ça. Alors, si c'est ça, c'est que tu plaques trop, quoi. Ouais. Voilà. Je suis un peu bisexe, voilà. Ok, c'est parfait, on fait ça. On va tourner quelques fois. Encore une fois, un très bon travail de cadrage de la part de notre filmeur. C'est pas un négatif de tout, mais on va s'améliorer à faire des tas, ok. On est en coupe verte, pas Alors, on a fait ces exercices effectivement parce que je voulais faire qu'on commence sans les gants, puis après qu'on mette les gants, mais c'est pas top, hein, c'est pas top. En fait, je me souviens qu'on faisait des exercices comme ça sans les gants, mais là, à l'exercice, je me rends compte que ça peut vite être près du visage, ou ça peut te taper dans la main et t'envoyer l'ongle dans l'œil, enfin, ou un truc dans l'œil. Donc maintenant, on va mettre plutôt les gants pour ce type d'exercice, mais moi, je me souvenais qu'on faisait des exercices sans les gants. Donc je sais plus comment on les faisait, peut-être qu'on les faisait tout seul, mais là, c'est un peu dangereux quand même. Donc on refera plus, hein, on refera plus. Il n'y a pas eu de dégâts, mais quand même, il aurait pu y en avoir. Mais non, je voulais vous le dire. Donc voilà, tu vois, on est comme ça, c'est moi qui fais ça, donc vas-y, je te fais là, ok, et là, tu vois, je pousse, je serre, et là, si je recule, tu m'avances, ok, donc vous faites comme vous sentez, et en gros, vas-y, tac, et là, du coup... Au niveau du filmage, normalement, on arrivera à venir avec ma femme, et elle s'est proposée de filmer, voilà. Et elle est plus compétente que notre amie qui a filmé là. Et là, je pense à un téléphone qui a un peu un meilleur caméra. Donc pour les prochaines vidéos, normalement, sera plus sympa parce que ma femme sera dévouée à la chose et le truc là. Donc et puis on aura travaillé la vision avant de ce qu'on veut faire. Donc ce sera plus exploitable. Mais pour une première, voilà, vous avez quand même un peu l'ambiance qu'il y avait, les conseils, etc. C'est chouette. On va dire qu'en fait, quand ça s'appelle, vous pouvez faire un ton genre hop, et là, quand je fais hop, tu pars. Ok, voilà. Hop, hop. Ok, et là, c'est toi qui me contrôle. Vas-y. Hop, 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 voilà. Et donc, là, on tourne. Ok, on est bon. D'abord, on a vu le coup, hein, comment tout simplement envoyer le truc en vissant, et maintenant on voit un peu les déplacements. C'est un exercice à deux où il y en a un qui contrôle, qui pousse un peu pour faire les déplacements et qui donne l'alerte. Et quand il y a l'alerte, on envoie le jab. Ouais. J'aime beaucoup ce type d'exercice où il y en a un qui contrôle les placements, etc. Et voilà. C'est facile et c'est très très bien, moi, je trouve. Ça épuise bien, ça entraîne bien. On est dans une confrontation, même s'il n'y a pas les coups, etc. C'est vraiment le type d'exercice très facile où t'apprends pas mal et qui est chouette. Je crois que ça a bien marché. Alors là, je voulais enseigner le direct et je me souvenais même plus comment faire le coup. Voilà, je sais plus si c'était la jambe avant, la jambe arrière qui pivotait en même temps que le bras avant, le bras arrière. Alors que c'est un peu, je vous dis, il y a que 4 coups en boxe anglaise, mais déjà moi je fais de la boxe thaï, monsieur. Mais j'avais oublié ça. Et 2 ans, hein, donc je suis allé voir demander confirmation auprès de l'encadrant de confirmer, voilà. Je
Et finalement, c'est le même bras qui pivote. Mais si vous envoyez votre bras à arrière, c'est la jambe arrière qui tourne. Et le plus important, c'est le transfert de poids avec vous. Donc, direct avant, voilà, ce qui est important dans les directs, c'est de toujours garder le bras qui ne frappe pas en position du visage pour garder la garde. Parce que qui vous faites un direct, vous prenez un contre, et si vous avez le bras là, il va absorber. Donc ça va être l'exercice là, ne va pas être d'envoyer le direct fort, ça va être d'envoyer le direct en pivotant, en faisant le bon pivot, même si c'est lent, et en gardant la garde de l'autre côté. Donc c'est assez compliqué. Mais dis-toi, on est d'accord, je suis direct, on n'arme pas, quoi. C'est juste on n'arme pas. On refuse rien. Et là, voilà, c'est la fin. Donc, le filmeur est parti. C'est dommage, on n'a pas vu d'autres entraînements. Et à la fin, donc, c'est l'un des combats. Alors, en fait, c'est notre ami M qui m'a demandé de faire la chose. Et il m'a dit, bon, on y va sérieux, etc. Donc, moi, j'ai dit, OK, pas au visage. Mais déjà, je vois qu'à un moment, j'ai mis un coup. Je pense que c'était un coup bien chargé, quand même, au visage. Donc, déjà, bon, il a pas touché. Hein, mais quand même, s'il avait touché. En fait, je pense que je l'ai mis parce que j'étais loin. Je me souviens plus comment j'étais dans le foie. Mais je pense que si vrai. Tu sais que quand tu peux mettre un gros crochet et tout, tu te retiens. Et là, je pense que je savais que comme j'étais loin ou autre, je mettais un truc comme ça, ça tapait un peu dans sa garde. Donc, on va voir. Et attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Mais en tout cas, au corps, on s'était dit, vas-y, au corps, on peut se bourriner. Donc, c'est pour ça que parfois, excusez-moi, je mets des trucs au corps qui paraissent secs. Mais c'est vrai, lui aussi aurait pu en mettre. Je crois qu'il en met d'ailleurs. Et à un moment, il m'a chopé en fait. Je vous dis, je crois qu'il n'y a pas les images parce qu'on n'a pas filmé. On a dû faire deux ou trois rounds, donc en tout, on va dire 9 minutes. Enfin, je suis pas sûr, mais ça a duré plus longtemps que ça. Alors que là, il y a qu'une minute 10 qui est filmé. Mais à un moment, j'ai fait un mouvement et lui m'a chopé au cou et ça m'a fait genre cling à torticoler. Vous savez, ça m'a fait un petit truc là. Et ce coup-là, ouais, il m'a bien touché à ce coup-là. Ah, déjà là, c'est pas mal, hein. Attendez. Je remets, j'ai envie de revoir parce qu'il me met un. Et justement, on est d'accord, je suis direct, on n'arme pas quoi, c'est juste. On n'arme pas. On refuse rien. Alors, petit problème, par contre, c'est qu'il y a trop de. On fait pas de ring. Et en fait, on sort trop du ring trop facilement. Et vous voyez que là, ça part un peu dans tous les sens. Donc, je sais pas si comment on s'organisera, mais c'est pas agréable. Et vous voyez qu'on n'arrête pas de se replacer, de faire des trucs comme ça. Je sais pas comment faudra voir. Mais si on fait des assauts, en fait, faudrait que, genre, qu'il y ait la moitié des personnes qui servent d'arbitre ou qui servent, voilà, pour contenir dans un ring. Et pour pas que le mec puisse trop partir. Parce que c'est tout un truc de la boxe aussi, d'être dans un espace fermé. Parce que là, vous allez voir que ça part un peu partout. Donc, faudra qu'on s'organise aussi comme ça. Moi, je propose deux personnes qui s'affrontent et au moins une ou deux personnes qui regardent, une pour dire on se calme, etc. Si on commence à trop s'exciter, et une autre pour faire les barrières physiques un peu poussées, voilà, se mettre derrière, pousser par rapport à des limites qu'on pose. Aussi, si on tourne près, parce qu'il y a quelques machines, alors on se dit, on fait bien gaffe aux machines avant de le reste. On fait pas des mouvements trop brusques ou autres quand on est près des machines, donc ça, tout le monde était au courant, on savait. On est un peu fatigué, mais je crois que c'était pas le premier combat, hein, c'était déjà le deuxième. Hein. Vous voyez, là, on sort du ring, c'est un peu chiant, on doit se replacer et tout. Bon, après, ça fait des pauses, hein, on est tous crevés, c'est bien, mais c'est pas l'esprit. Bon, je fais le malin. Hein. Mais je me suis fait calmer, vrai. Si, moi, c'est ça. Moi aussi, j'ai repris, si tu veux, on peut se parler. Vas-y. Moi, ouais. Sorry. On voit qu'il met pas trop la garde, mais comme il est grand, c'est chaud aussi pour moi d'aller le chercher. Donc, effectivement, quand t'es grand, tu peux plus facilement. Mais quand t'es plus petit, à cette distance, c'est galère. Voilà, et c'est ce coup-là là que j'ai mis, qui me paraissait un peu sec. Mais je sais plus si je l'ai vraiment mis par what, mais là, en voyant, je me dis, faut que j'évite de faire ça. Et celui-là, ça va, de toute façon, il touche pas. Mais lui, là, vous avez vu, il a touché, là. Et ça peut aller dans l'œil ou autre, donc... Mais après, c'est un petit truc sans le co, mais voilà, en le revoyant, je me dis, merde, je suis allé fort sur ce coup-là.
Voilà, mais c'est la fin de ce truc. Vous voyez, on n'a pas beaucoup d'images, mais c'est sympa, ça vous donne l'idée, hein, les échauffements, les étirements, les exercices et les combats à la fin. Donc j'ai combattu contre 3 personnes, notre ami là M qui voulait y aller en mode sérieux, son pote L, donc qui était pas quelqu'un qui connaissait la chaîne ou autre, c'est juste son pote qui faisait de la boxe qui est venu, qui avait plus d'expérience que moi. On faisait à peu près le même poids, mais lui il chargeait pas, c'est bien, il faisait des coups rapides et tout, mais il était plus fort, mais quand même j'arrivais à le cadrer quand même, parce qu'à un moment je l'ai cadré sur le truc comme ça et je faisais des petits enchaînements, mais il était quand même meilleur techniquement et plus rapide. Et après il y a un gars de 100 kilos aussi, donc M aussi, un gars de 100 kilos qui fait, je vous le dis, il a travaillé aujourd'hui, il a fait la sécurité bénévolement pour le meeting de Zemmour. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, il y avait de tout, hein, il y avait des mecs plutôt de gauche et des gars plutôt de droite. Donc effectivement, mais on parle pas, enfin on parle un peu de politique, mais c'est vraiment pas le but du truc de faire, je sais pas quoi, une milice identitaire ou je sais pas quoi. Il y a tout le monde et c'est pas vraiment, et c'est plus un sujet de rigolement, tu vois, que genre dire vas-y, on va faire les gauchons contre les droitards. Non, c'est, mais voilà. Donc le gars effectivement faisait la sécurité du truc de Zemmour. Et effectivement, quand tu fais 100 kilos et ouais, on a fait des combats. Et lui, effectivement, il m'a mis des bonnes pêches, mais il se gardait quand même. Mais il m'a mis quand même des bons trucs, voilà. Bon, mais on a tout terminé. Maintenant, je vous montre juste. Alors, est-ce que je vous le montre ou pas? Allez, je vous le montre. Puis s'il y a des gens qui se plaignent, je le comment ça s'appelle? Je cacherai cette partie. En gros, voilà, j'ai tenu le plan des 15 personnes qui sont venues. Donc, je vais dire vos caractéristiques un peu sans vos prénoms. Normalement, on vous reconnaît pas. Donc, si vous voulez, peut-être je ferai sauter. Mais normalement, il n'y a pas de manière de vous reconnaître. Donc, c'est parti. Donc, bravo à toi, P, débutant qui pèse entre 65 et 65 kilos, d'être venu. Donc, je retiens que tu étais costaud et courageux. Effectivement, alors c'était ta première fois. Tu manquais pas de vigueur, etc. Donc, c'était super. Et tu étais le premier. On s'est croisé sur le pont en arrivant, donc je pense que tu te reconnais. Sur YouTube, t'as un truc qui commence par slow, voilà, je sais qui tu es. Et donc, c'était très sympa. Merci aussi à A, confirmé, donc A qui a 31 ans et qui a encadré le groupe des initiés. Donc tu t'en es très bien sorti, en tout cas les initiés m'ont dit que c'était bien aussi. Donc merci d'avoir tout fait, tout ça. Donc 90-95 kilos, et merci à toi, notre doyen. Merci aussi à P, un autre P, ingénieur méthodique qu'on a vu, voilà, qui partait dans des forts éclats de rire. Merci beaucoup, on voit que tu t'appliquais vraiment bien au niveau des exercices et que c'était très agréable parce qu'à chaque fois je faisais une blague ou un petit truc, t'étais un peu le premier à rire et t'avais un rire très fort, donc c'était très important pour l'ambiance et c'était super chouette, merci à toi. Merci à R aussi, donc tu nous as bien fait marrer et t'es extrêmement sympathique, voilà, on te retient comme le dyspraxique. Donc tu es la brebis galeuse, tu sais, du fameux troupeau de Jésus qui dit voilà, t'as 100 brebis, t'as les 99 qui vont dans le même endroit, c'est bon, et puis celle qui part un peu en couille, ben tu dois passer du temps à la prendre à l'intérieur du troupeau parce que c'est le royaume des cieux ou je sais pas quoi. Et bien c'est pareil, c'est pas grave, petit dyspraxique, on fera des efforts pour toi, mais voilà, ne t'inquiète pas, et tous les dyspraxiques sont bien bienvenus parmi nous. Ensuite, bienvenue, merci à Z qui est venu un peu en retard, mais un tout petit peu en retard au moment des échauffements, on l'a vu. Voilà, petit QLF, effectivement, tu dépenses trop d'énergie dans des déplacements, on te l'a dit 3-4 fois, mais c'est pas grave, tu t'amélioreras petit à petit. Et voilà, je pense déjà qu'à la fin, tu sautillais moins, mais tu as tendance à trop le faire. Maintenant, notre ami E, effectivement aussi, 25 ans, qui refuse le RSA par dignité, on s'en souviendra, boucle d'oreille. Et voilà, comme P, costaud, courageux, mais en même temps, si vous l'avez vu vite fait, il fait du street, de la musculation de rue, enfin, où il en a fait plutôt, donc il a des muscles bien dessinés, et ben voilà, vraiment, première séance, et moi je l'ai pris un moment, je lui ai dit, bon, on va faire déjà des assos, parce que ça doit être ta première séance, je vois que tu places bien ton corps, ta truc, et t'as pas peur des coups, donc on a fait des trucs un peu plus appuyés, on n'a pas trop dépassé, mais quand même, je crois qu'à un moment il y a un coup qui a touché l'œil, donc c'était pas super, mais en tout cas bravo, t'as bien progressé, c'était super agréable, donc bien joué à toi. Merci à M aussi, arrivé un peu en retard, mais c'est pas trop grave, très sympa. Et puis pendant les discussions sur le kebab, ah j'ai dit ou pas, oui, on allait dans un kebab après tous les 8, là je regardais, j'ai mis une petite croix. M, donc très sympa, t'as beaucoup animé les discussions au moment du kebab, et voilà, il est passé d'ailleurs administrateur
modérateur du Discord parce qu'il a des compétences et voilà. Et puis il a payé le kebab d'un QLF, donc bravo à lui. Bravo à Saint-Antoine, je sais plus lequel qui a partagé sa cape en deux, mais en tout cas, par cet acte purement chrétien de nourrir le remplaciste, tu accèdes au statut de grand seigneur du Discord. Merci à toi. Ensuite, on a un deuxième R. Confirmé. Ah, mais oui, je vois qui c'est. 17 ans, donc, très étonnant, le garçon, parce que, donc, il est effectivement entre 55 et 65 kilos, je crois qu'on n'a pas dit, mais je pense que t'es assez léger. Donc, étudiant arrivé récemment sur Paris, 17 ans. Et en fait, c'est vrai que, pour nous qui vivons depuis longtemps sur Paris, on n'a pas conscience qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est le métro ou autre. Mais lui, il a vécu toute sa vie à la campagne, ou dans des villes, rurales, petites villes, et il arrive à Paris où il y a les métros, et il connaissait pas l'application CityMapper ou autre, donc il galérait après pour rentrer chez lui, et nous, on lui disait, bah, vas-y, va là-bas. Et, tu sais, il a pas les réflexes, donc c'est vrai, c'était drôle en fait déjà que des citadins rencontrent des néo-citadins un peu, donc c'est vrai qu'en y repensant en revenant là, et merci, donc c'est M qui a payé le truc d'un QLF et le kebab US et qui a pris du temps pour lui montrer comment aller utiliser CityMapper, donc merci beaucoup à toi M, tu as fait deux actes grandement chrétiens, c'est très sympa. Merci à Y 65-70 kilos, niveau de boxe un peu confirmé, 20 ans, métis malheureusement. Voilà, j'ai écrit, je me suis posé la question, est-ce que je lis ou pas? Malheureusement, je le mets parce que comme ça, on voit à qui tu corresponds. Après, t'étais le seul avec un prénom qui commençait par Y. Bref, je me suis posé la question, finalement, je l'ai mis, mais c'est pas grave. T'as apporté deux paires de gants, merci à toi. Et t'as participé au kebab, c'était chouette. Bonne chance, puis sûrement à la prochaine. Ensuite, donc, il y a quelqu'un dont je me souviens plus du prénom Attendez. Si, ben tu m'as envoyé ton prénom après par téléphone, mais j'ai oublié. Non, en fait, je confonds. Il y a le faux Robinson, voilà, le faux Robinson, tu m'as envoyé ton numéro, et c'est toi le vrai filmeur, donc en fait, j'ai inversé les deux trucs là. C'est toi, vrai filmeur, et qui m'a proposé des sorties plutôt culturelles, où en fait, voilà, on a discuté après, donc des sorties autour des livres, ce qu'on fera. Voilà, merci à toi. Et alors, le deuxième, par contre, je me souviens plus de ton prénom. On t'a entendu, donc, dans la vidéo, là, où tu dis, oui, je connais, c'est de l'élite, etc. Je sais plus en fait si on s'est présenté, mais voilà, merci d'être passé, merci d'avoir participé aux échanges, etc. Et puis tu seras là sans doute pour une vidéo où on fera de la lecture, une vidéo, une rencontre. Ensuite, M, donc notre camarade de 100 kilos qui fait la sécurité de Zemmour, en tout cas une fois pour un événement il a fait, voilà, et donc qui est un entrepreneur et m'a proposé de faire le montage de la vidéo. Bon, finalement il y avait tellement peu de vidéos que je me suis fait le montage aussi, donc pas de soucis, merci à toi et puis à la prochaine j'espère. Nous avons un deuxième M de 90 kilos, effectivement 18 ans, assez jeune, qu'on voit contre moi dans la dernière partie de la vidéo. Donc effectivement, merci ami QLN, c'était très sympa. Puis on espère te revoir. Hein. Tu es venu accompagner, enfin en tout cas il est venu un peu après toi, de L, voilà, L qui pèse 75 kilos comme moi, à 20 ans, et qui ne connaissait pas la chaîne. Ben, c'était sympa, j'espère qu'entre temps tu as découvert la chaîne et tu t'es abonné. C'était bien chouette. Et on n'a pas eu notre échange filmé, mais j'aurais bien aimé voir pour voir comment je m'en sortais avec toi qui attaquais très rapidement, et moi qui est resté plutôt un peu mais essayer de t'envoyer des trucs, donc j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait, est-ce que je paraissais complètement dominé ou autre, mais je me souviens quand même que c'était quand même moi qui cadrais l'échange, donc j'aurais aimé voir ça, mais j'avais l'impression de l'en prendre aussi hein. Et enfin V, notre ami V, arrivé bien en retard, une heure en retard, mais on te pardonne, tu t'étais perdu je crois, donc c'est tout, peut-être que pour la prochaine vidéo j'expliquerai plus. Donc niveau confirmé aussi, 60-65 kilos, 20 ans, et on se souvient que tu as une greffe de foie quand t'étais jeune, donc il faut éviter de frapper trop fort au niveau même frapper tout court à ce niveau là, donc on le sait, et puis tu le dis aux gens, donc voilà, tout le monde le sait. Voilà, c'était à tout, merci aux 15 participants, c'était super, merci à ceux qui ont soutenu cette initiative, qui m'ont demandé la vidéo et qui participeront les prochaines fois, j'espère. Gros truc à vous, je sais pas comment dire, et puis voilà, à la prochaine, et bonne journée, ciao.